Le saviez-vous, à Sainte-Clotilde, l'école des Lilas est l'établissement scolaire qui accueille le plus grand nombre d'élèves. Et ici, comme ailleurs, la ville s'investit pour sa jeunesse. Elle s'engage à assurer l'éducation des élèves dans les meilleures conditions, répondant à une réelle demande. Ici, ce sont de nouveaux sanitaires qui sont en cours de construction. On est en train de réaliser de nouveaux sanitaires pour augmenter justement la capacité des sanitaires sur l'école et améliorer l'accueil des enfants sur cette école. Au niveau des appareillages, ça sera beaucoup plus adapté aux enfants. Et il y aura aussi deux sanitaires adultes et PMR pour les personnes à mobilité réduite. On ne s'arrête pas uniquement à la réalisation d'un sanitaire, on fait aussi un préau pour améliorer la partie confort thermique sur l'école. Ça m'a ravi. Ce qui me ravit d'autant plus, c'est tout ce qui est prévu après. Parce qu'effectivement, ça s'inscrit vraiment dans une dynamique d'empereur, puisqu'il s'agit aussi derrière de faire tout ce qui est ravalement façade, intérieur comme extérieur, et doter les différents lieux d'espaces de vie, mais aussi d'espaces d'ombrage. Donc beaucoup de choses sont prévues par la commune, et ça va tout à fait dans le sens de la politique mise en œuvre actuellement par rapport à l'école bienveillante. Favoriser le confort, l'apprentissage et l'épanouissement des élèves, voilà l'objectif de la ville, une volonté qui profite aux écoles, mais pas que. Pour nous, c'est un gros défi de faire une belle structure comme celle-là. L'architecture est différente de ce qu'on rencontre d'habitude. Donc ça nous met toujours un pas en avant pour pouvoir être au top. La ville permet à une entreprise comme moi de nous exprimer et montrer nos capacités. Et ça, c'est, je trouve, une belle chose de la ville, de donner la chance aux petites entreprises que nous sommes. Saint-Denis s'engage pour sa jeunesse. 300 000 euros, c'est le coût total de l'opération.